Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 71 de Stage 1 et nous allons jouer un peu à la chasse aujourd'hui. Donc un jeu qui s'appelle Remington Super Slam Hunting Alaska. Donc il y en existe plusieurs des styles de jeu, il y avait Africa, il y en a quelques autres. Peut-être qu'on les testera un jour, donc là pour l'instant ce sera Alaska. Alors, ouh je m'étouffe. Donc nouveau joueur, on va saisir le nom. Moi c'est Sylvanus, oula, voilà. Allez, ok, Sylvanus a été créé. Alors on rentre dans la loge. Voilà. Et donc là, on va choisir. On va pas choisir ni les totems, ni les trophées qu'on peut gagner au fur et à mesure de nos chasses. Mais on rentre en mode chasse et on va sur le premier terrain. Ou le deuxième. Non, le premier. Ouais, le premier, voilà. On va commencer par le premier pour vous montrer un peu le début. Donc c'est parti. C'est l'absence, ça c'est une petite astuce. 3, 2, 1. Et la chasse est ouverte. Donc le but, ça va être de tuer les cerfs. Non, sans tuer les autres. Alors là, pour l'instant, il n'y a que deux. Il n'y a que cela. Donc on voit celui-là qui avait un bonus. Hop. Je sais pas s'il nous donne plus de points quand on. Je sais plus. Donc voilà. Donc là, le but, c'est en fait, voilà, c'est juste de la chasse. C'est de tuer les cerfs sans tuer les autres. Là, je sais pas ce que c'est. Je m'y connais pas trop en animal, donc bon, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà. Pas très très dur. Ah là, voilà, j'ai touché un et ça m'a fait moins 50. Vous avez vu. En plus, je sais pas ce qu'il me donne. Alors, il y a des bonus sur certains cerfs, mais ça. Je sais qu'il y en a qui donnent des munitions, qui évitent de recharger, qui nous évitent de recharger trop souvent. Ouais. Alors on a des oiseaux en haut aussi, on peut leur tirer dessus, ça rapporte aussi des points, mais des fois il y en a qui passent avec des bonus, alors ça peut être intéressant, mais sinon c'est trop dur à viser, donc autant rester sur les cerfs. Voilà, 6 fois combo. 7 fois combo. Ça veut dire que j'ai tué 7 cerfs à la suite sans me tromper. Ouais, il y avait un petit oiseau qui est passé, j'ai essayé de le viser, j'ai pas réussi. C'est vraiment un jeu assez fun qui pourrait être un peu saoulant au bout d'un moment parce que bon, entendez le bruit du fusil, paf, paf. Au bout d'un moment, ça casse un peu les oreilles. Vous en faites pas trop trop niveau, mais quand c'est pour s'éclater. Alors bon, ceux qui sont pour la défense des animaux et tout ça, qui aiment pas la chasse, bah, évidemment ils vont pas aimer ce jeu. Voilà, hop. Oula, oula, là. Il y a deux qui passent devant moi, j'arrive pas à les toucher. Voilà. Donc là aussi, il y a une histoire d'armes aussi. Je crois qu'on peut, au bout d'un moment, on n'a plus les mêmes armes. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne, lui? 1,5. Peut-être 1,5 fois plus de points. Je sais pas. Donc voilà, c'est le but alors dans les niveaux, c'est de faire un maximum de tuer un maximum sur la durée de la chasse. Donc c'est une durée déterminée, vous avez vu, il y a un déplacement, c'est pas nous qui nous déplaçons, ça se bouge tout seul. Et nous, on a juste à bouger avec la souris, enfin, à tourner avec la souris pour viser les cerfs. Donc là, il y a un petit ralenti. C'est moi qui l'ai utilisé. Ça doit être la casserole en bas là, c'est le ralenti, ça doit être ça. Hop là, ça revient. Ouais, ça doit servir à ça parce que du coup là j'ai pu ralentir le temps en gros et faire plein des kills sans qu'ils aillent trop vite. Ah ouais, donc c'est bien ça. Donc regardez la casserole que j'ai eue quand on en a plusieurs. Quand le machin est plein, ça nous donne du temps. Hop. Voilà, donc là on a une mine. Alors regardez, on va tirer dedans. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Une mine d'or. Hop. Attendez. Voilà, regardez, quand on tire sur les ça nous donne des points en fait. Quand on tire sur les pépites qui sortent. Vous tirez sur la mine, ça sort des pépites et quand vous ramassez les pépites, ça vous donne des points. Ça peut être pratique. Voilà mon score, médaille de bronze. Donc, comme quoi, on peut faire beaucoup mieux.
Donc Sylvanus, c'est moi. Non, je veux pas le mettre en ligne. Et voilà, j'ai débloqué une nouvelle arme. Voilà, chargement. Hop là, lieu de chasse. On va faire un deuxième niveau. Pour cette vidéo, on va faire le deuxième que j'ai débloqué. Hop là, c'est la prairie de Tetras. Donc après, on va avoir des animaux un peu différents. C'est toujours le cerf pour l'instant, mais il y a d'autres animaux sur lesquels on peut tirer. Voilà, il me donne combien il faut que pour que je fasse une médaille d'or. Vous voyez, on a vu une sorte de belette bizarre. Voilà, ça là, ce machin, je sais pas ce que c'est. Donc c'est parti, on est dans une grosse prairie, il y en a de partout. Là c'est sympa, on les voit un peu. C'est une histoire de visée. Quoi. Ah, j'ai raté le cerf qu'il y avait. Ah, j'ai une belette qui arrive sur moi là, je sais pas quoi. Apparemment elle voulait m'attaquer. Je sais pas si ça fait quelque chose. Hop. Oula, je suis en folie meurtrière. On se croirait dans une réelle tournament. Donc allez, hop, une noix là, une noix qui passe avec une casserole. Ah, je vais attraper, c'est pas... Ouais, c'est des doigts en fait. Voilà. Bon, pour pas dire de conneries, je veux dire que je sais pas. Hop là. Hop, un petit x2 en munitions. Voilà, ça va me permettre de moins recharger. Ça c'est horrible quand vous devez recharger. Ça vous prend un temps fou et il y en a plein qui passent devant vous. Ah non, je peux pas le tuer parce que j'ai pas de munitions. Oula, attention, il y en a plein qui nous arrivent sur la tronche. Vous avez vu le reload, on le voit assez souvent. Oula, ça me fait du x720, c'est pas mal. Pas du 720 points sur 1. À 8600, c'est pas encore ça. Regardez, ça c'est des poulets là, je sais pas ce que c'est. Une sorte de poulet sauvage. Ça rapporte pas des masses, c'est super chiant à tuer. On va essayer de tuer les cerfs, ça rapporte 200, c'est mieux. Oula, il me saute dessus, Hop là. Vous voyez la trace de sang au milieu, alors je sais pas ce qu'il m'a fait. Ah oui, j'ai de la vie en haut à droite, voilà. On doit pouvoir se faire tuer à force, je pense. J'ai de la vie en haut à droite avec un petit cœur en dessous du temps. Donc je pense que plus on doit avancer dans les niveaux, des fois on doit se faire attaquer par les animaux. Ça doit pas être la joie. 200. Voilà, barre d'espace pour faire un ralenti. Hop, alors on va faire le ralenti. Attendez. Voilà. Vous avez vu comment c'est pratique de faire un ralenti. Le poulet, le cerf, le zénithaire. Ça me permet de récupérer tout ce que je peux. Ah non, lui là-bas, lui. Ah oui, voilà. J'ai encore des munitions supplémentaires. Il reste 9 secondes. Ah, je me suis encore pris un coup. Ma vie est encore descendue un peu. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà, on va pas faire plus de niveaux que ça. Vous aurez vu un peu le principe du jeu. C'est plutôt sympathique. Encore, j'ai débloqué encore une autre arme. Donc voilà, ce sera tout pour Super Slam Hunting Alaska. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.